Dans la bande originale, en live, ça tombe bien puisque le 14, on sort de 2014. Le 14 janvier, c'est la diffusion de l'épisode Accusé avec Clémentine Célarié. Et 14, c'est également le numéro, le chiffre qu'il a rajouté après le titre Puzzle de cet album. C'est Paul Personne en live. Puzzle 14, c'est le nom d'album. Mais Une journée, c'est le titre et c'est dans la bande originale. Thank you.
Qu'est-ce que c'est bien, c'est du Paul Person. L'album s'appelle Puzzle 14. Paul Person est en tournée janvier, février, mars, mais il y a la date du... On a toujours la date parisienne qui est le 20 janvier à l'Olympia, mais il y a beaucoup d'autres dates. Il y a le site évidemment de Paul Person sur lequel on retrouve toutes les dates de cette tournée. C'est un paulperson.fr ou .com d'ailleurs, aide-moi Paul. Ton site internet J'en sais rien du tout. D'accord, ok. Je joue tapez, pas à l'ordinateur. Tapez, ouais. Clémentine, c'est pour ça. Tapez Paul Person sur Google et vous verrez, vous trouverez bien les dates. Mais il y en a beaucoup, dont cette date de l'Olympia. Ça fait combien de temps qu'il n'y avait pas eu d'album? 3 ans, c'est ça? Plus Non, peut-être pas. Ah si, 2011, t'as raison, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, comme ça, mais ça manque. Mais il y a eu, évidemment, il y a des tournées, il y a des concerts, il y a du boulot entre-temps. Puzzle 14, pourquoi? C'est parce qu'il te manque une pièce? Il manque une pièce à tout le monde, je pense. Toute ta vie, tu recherches forcément la pièce manquante. Donc, il y a cette symbolique-là. 14e album studio, ça s'est fait en 2014. Donc, tu sais, pour des titres d'album, parfois, faut pas trop se creuser la tête non plus. Pour les paroles, par contre, ils se creusent bien la tête. Déjà, vous avez entendu cette journée avec des paroles qui prennent, encore une fois, une dimension bien particulière. Il y a le son, il y a le rythme, il y a l'ambiance Paul Person sur cet album. J'adore Miss Nature, par exemple. Dans l'extase, gémissant. Il y a Miss Nature, il y a aussi Ça fait mal. C'est basique, c'est efficace et ça tourne. Hein. C'est du blues, du pur blues, toujours avec Al West. C'est l'idée de jouer avec ce groupe qui était des fans en fait et qui t'ont dit si on joue ensemble. Ouais, enfin disons qu'on se connaît déjà maintenant depuis quelques années. Ouais. Et puis entre des soirées et des nuits à taper le bœuf, à se marrer avec des covers, un jour je leur ai dit plutôt que faire des covers, les mecs, j'ai des nouvelles chansons, on essaie. Et puis ça fait quoi, 3 ans maintenant qu'on a fait 2 albums ensemble. Là c'est le 3e, celui-là. Il y a eu des kilomètres de route et tout ça. Et puis voilà, des guitares, basse, batterie. L'essentiel. Le groupe basique de rock'n'roll, c'est bien quoi. Très très bon album qui s'appelle Puzzle 14, donc, et il est en tournée tout le mois de janvier, février, mars, dont la date du 20 janvier, ça sera à l'Olympia. Et dans, d'ailleurs, vous pouvez même rester là, hein, j'ai envie de vous dire, parce que dans 10 minutes, vous nous offrez une reprise des Eagles, Take It Easy. Donc vous n'êtes même pas obligé de bouger, à moins d'avoir envie de faire pipi, par exemple. Là, vous pouvez y aller, mais sinon, vous pouvez rester là. Okay. C'est Paul Person qui est dans la bande originale. Bravo, bravo, bravo. La bande originale. Retour en live avec, avant de poursuivre l'interview de Clémentine Célarier, avec Paul Person qui nous offre une reprise des Eagles. Alors c'est pas le Hotel California célèbre, ça sera beaucoup plus country, bien que je ne sais pas dans quel tempo vous allez le prendre. Take it easy, on va faire ça. Allez, on va prendre la vie à la légère. Take it easy, Paul Person. Come on, baby, don't say maybe, I've got enough.
to losing my love. Got a world of trouble on my mind. Looking for a lover, world don't blow my cover. She's just so hard to find. Take it easy. Don't let the sun of your own wheels make you crazy. Come on, baby, don't say maybe. I gotta know if your sweet love is gonna save me. Personne avec son groupe, mais accompagné par Richard Lornac pour le solo piano. Très belle reprise, Eagles, Take It Easy. Et Paul Person de revenir dans la dernière demi-heure de cette émission avec Chris Esquer, et ça sera avec un titre de Puzzle 14, son album. Et le titre s'appelle Il y a, mais sur cet album, il y a aussi... Il y a M'envoler plus haut, où il y a aussi Mainmise, très érotique. Très érotique. Ouais, c'est du blues, mais il y a une main qui se balade en tout cas dans ce morceau. Hein. Très bon album, Puzzle 14, Paul Person. Il est dans cette bande originale et on est fiers qu'il soit là en live. Et qu'est-ce qui vous arrive, garçon? On a mis son numéro, oui. Ouais, bon, on le garde. On a mérité d'entendre la deuxième partie du live de Paul Person. Ah oui, oui, que j'adore. Ouais. Que j'adore. Le titre, bravo, c'est Il y a, Paul Person. Accroché à la souris de la terre ou de la mer, tout
tout est un clic d'ici. Il y a tant de choses à dire. Il y a tout ce que l'on ne sait pas. Il y a du meilleur au pire. Il y a tout et n'importe quoi, n'importe quoi. Il y a, il y a tout ce que l'on ne sait pas. Il y a, il y a tout et n'importe quoi, n'importe quoi. Le 20 janvier en concert à Paris, à l'Olympia. Juste pour terminer, avant que je te passe la parole, Leïla, Clémentine Sélary, pour terminer sur cette, j'adore Paul Persson. Ce côté, oui, oui. On nous aussi un peu. Je trouve génial. Ce côté multiculturel. Voilà, quand vous étiez petite, vous disiez...